Sachez qu'aujourd'hui, effectivement, on va monter siéger là, pour ce repli, cette SAD de repli pour la carte scolaire, l'annonce des fermetures. Mais ce n'est pas fini puisque la décision finale aura lieu lors du CDEN, normalement prévu le 4 mars. Donc l'espoir est encore là et nous, comptez sur nous, les délégués du personnel, pour défendre à nouveau l'ensemble des écoles touchées par ces fermetures. Non, non.
effectif réduit. Non aux fermetures de postes. École de quartier, enseignement de qualité. École de campagne, enseignement qui gagne. On veut faire gagner nos élèves. En bondant les classes, ce n'est pas du tout ce que l'on va faire. Oui aux enseignements de qualité et aux classes à effectif moins chargées. Mais là, même si notre présence ne plaît pas, nous on est là. Pour l'honneur de toutes les écoles, pour l'honneur des professeurs, même si notre présence ne plaît pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si notre présence ne plaît pas, nous on est là. Pour l'honneur des professeurs et pour une école meilleure, même si notre présence ne plaît pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si notre présence ne plaît pas, nous on est là. Pour l'honneur des professeurs et pour une école meilleure, même si notre présence ne plaît pas, nous on est là. On est là. Il n'est jamais trop tard. 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 Non plus, parce qu'on a besoin de remplacement, d'autant plus que là, actuellement, il y a des collègues qui ne sont pas remplacés et que dans le même temps, ils créent des postes de conseiller pédagogique et surtout que les 29 postes supprimés dans Lyon, ce qui est inédit, ce qui remonte à des dizaines d'années qu'on n'a pas eu une situation comme ça, c'est intenable, c'est impossible de s'en sortir. Et donc, forcément, il y a des mécontents. Alors, il dit, oui, je sais, il y a des mécontents, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est l'exercice que je dois faire et donc, donc, alors, c'est pas encore complètement fini parce qu'il présente sa version définitive lors du CDEN qui se tient le jour de la rentrée. Là, on va discuter, nous on va se retrouver en intersyndical et on va évoquer la possibilité de boycotter le CDEN du 4. Alors, le boycott du CDEN, il ne peut fonctionner que si il n'y a pas le quorum qui est atteint, c'est-à-dire que sur 30 membres, il y en a 15, plus de 15 qui sont absents. Comme on est 10 représentants du personnel, a priori les 10 représentants du personnel, on va tous être d'accord pour boycotter, mais il va donc falloir qu'on trouve parmi les 5 parmi les représentants de parents, d'élus, de DDEN, etc., d'autres gens qui seront prêts à boycotter. À mon avis, on va engager ça et on va discuter pour qu'il y ait un report. Après, s'il n'y a pas le quorum au CDEN, ils sont obligés d'en reconvoquer un nouveau dans les 8 jours qui suivent, entre 8 et 15 jours. Et donc ça nous laissera encore une marge de mobilisation pour y retourner et pour continuer à dire que c'est insupportable et qu'on ne peut pas fonctionner comme ça et donc qu'on a tout intérêt à se faire entendre et à bloquer. Et à un moment, c'est ça, là on l'a vu, hein, le dialogue social, le dialogue c'est zéro. Le seul truc qu'ils comprennent, c'est de bloquer. Donc à un moment, on bloque. Hein. Et là, pour le coup, d'une part, déjà, bravo pour la mobilisation, parce que c'est pas rien. Ce qu'on a fait remarquer aussi, hein, les collègues qui perdent une journée de salaire, qui sont là, les parents qui viennent, les élus aussi qui sont mobilisés, tous les gens qui sont là, bravo à eux, les enfants aussi. C'est vrai que à eux et on continue, Je ne sais pas si Lucas l'a dit, mais il avait la volonté qu'il n'y ait pas du tout d'intervention de notre part, qu'on fasse tout de suite part au vote. On a quand même réussi à mettre le pied dans la porte, on a évoqué les écoles qui étaient présentes.
on a bien insisté effectivement. Il nous a redit qu'il était au courant, qu'on avait déjà parlé. En tout cas, il a toutes les cartes en main. Nous, on lui a dit qu'il avait encore jusqu'au CDEN pour prendre sa décision, que rien n'était fait, que pour nous, il pouvait encore y avoir des bougées et que de toute façon, ces 29 postes, ce n'était pas tenable, quoi qu'il arrive. Quand bien même, et ce qu'on souhaite, il sauverait les classes qui sont présentes aujourd'hui, il y a d'autres classes qui méritent aussi d'être sauvées. On a rappelé, il y a eu 2 ans de Covid, ils n'en tiennent pas du tout compte, et ils sont complètement, effectivement, ils sont hors sol, ils sont hors du terrain de la réalité de ce qu'on vit. On a souligné, effectivement, on est revenu sur les écoles, qui étaient symboliques, si vous voulez, de l'incompréhension et de la colère qu'il y a. Et le fait que vous soyez en grève aujourd'hui, c'est pas rien. Et Lucas l'a dit tout à l'heure, le fait de perdre une journée, qu'il y ait des parents d'élèves qui soient là, des enfants. C'est la première fois qu'on voit ça dans notre département. C'est la première fois qu'il y a autant de fermetures de classe. Il est remonté jusqu'à 10 ans. En essayant de nous expliquer sur des chiffres, on lui a prouvé que non, c'était pas tenable. Et que le terrain, la réalité, c'était le terrain, c'était pas un tableau avec des chiffres. Et ça, vous le vivez, on le vit tous les jours, parce qu'on est enseignant aussi. Et on veut le mieux pour nos élèves, on veut le mieux pour les parents et puis pour les personnels, les conditions de travail. Donc on va continuer effectivement. Ce que Lucas vient de dire, c'est qu'on n'aurait pas de vacances. Il va falloir convaincre. C'est ça l'idée. Mais en tout cas, merci à vous encore de vous mobiliser. Je crois que c'est important. C'est important de défendre le service d'éducation et l'institution qu'on présente. Elle est malmenée, on est maltraité, mais je crois qu'on lâche rien et bravo à vous. Vous pouvez vous Non à la fermeture avec vos pieds.